à tous, c'est Beige Warrior, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler du tant attendu HDV8 Farm. Donc, l'hôtel de ville qui est à l'extérieur, donc on va vous attaquer votre hôtel de ville, vous allez gagner un bouclier, on va pas pouvoir vous prendre vos ressources, c'était un petit rappel du farming. Donc, on va passer directement au point important du village, le château de clan, très bien centré, difficile à déclencher, le roi des barbares qui recouvre toutes les ressources grâce à son rayon, les réservoirs d'élixir noir qui est très bien centré, donc difficile à atteindre. Les mortiers très symétriques en carré presque parfait. Et donc ils prennent vraiment tous les bâtiments. Il y a très peu de bâtiments qui ne sont pas couverts par ces mortiers. Ils sont ni trop à l'extérieur ni trop centrés. C'est très très bien comme mortier. Ensuite, les tours de sorciers. Vous voyez qu'ils recouvrent vraiment pas mal de ressources. Donc elles vont targeter principalement les barbares et les archers, donc elles vont faire très mal ces tours de sorciers. Les défenses antiaériennes qui sont vraiment bien centrées, donc un peu l'emplacement inverse des tours de sorciers. Et donc ces défenses antiaériennes sont très efficaces contre les dragons et les ballons. Ensuite, les Tesla qui sont sans doute non améliorées chez vous, ou alors elles sont assez bien améliorées. Donc bien centrées, elles sont très très efficaces, même niveau 1. Ensuite, donc les ressources, c'est un peu le principal du village farm. Les ressources, vous voyez, elles sont peut-être collées, mais très bien centrées, donc très difficile. Il faut entrer dans le village pour avoir ces ressources. Et en barbare archer, c'est difficile d'entrer dans un village. Ensuite, donc les canons et tours d'archer, à chaque fois, il y a une alternance. Vous voyez, canon, tour d'archer, canon, tour d'archer, canon, tour d'archer, canon, canon et tour d'archer. Donc c'est cool. Ça va vraiment faire très très mal sur les barbares et archers, parce que en farming on vous attaque sûrement en barbares, archers et peut-être en géant. Et donc justement je vais y venir aux géants. Donc sur ce bâtiment il y a 4 compartiments qui m'intéressent beaucoup. Ce sont, donc c'est un village que j'ai trouvé hein. Et donc ce sont ici, il y a des trous, vous voyez il y a un trou, il y a un deuxième trou ici, il y a un autre trou ici. Et il y a encore un petit trou ici. Donc pourquoi ce village est intéressant? A votre avis, je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé, c'est que grâce à ces trous, les géants vont être attirés justement vers ces trous. Ils vont passer donc par les bombes géantes et les bombes, ça va leur enlever beaucoup de vie. Et après, qu'est-ce qui les attend? Des pièges à ressort, des petites bombes, des pièges squelettiques. Enfin, les géants vont, rien qu'en marchant, ils vont se faire tuer. Ils vont même pas toucher de défense, ils vont se faire tuer direct. Ça va faire très mal. Donc, même si l'attaquant utilise des sorts de soins, ça va pas suffire. Vous allez voir que, comme les défenses sont vraiment très centrées, les géants vont avoir beaucoup de difficultés à entrer dans votre village. Donc, un village qui m'a l'air vraiment très très efficace, et qui l'est, j'en suis sûr. Donc, partagez-moi vos gameplays si vous avez pris ce village. Normalement, vous l'avez pris, c'est sûr. Vous êtes obligé de le prendre. Prenez-le, ce village. Et donc, c'est vraiment un village top, top, top. Il y a aussi les pièges squelettiques qui vont divertir les barbares et archers. Donc ils vont se faire targeter par la tour de sorcier en même temps. Donc ça va faire très mal. Et les bombes rouges et noires. Donc contre les guérisseuses maintenant ils servent plus à rien. Mais par contre contre les dragons et contre les ballons ça va être très très intéressant. Leur emplacement, vous voyez, ils sont bien centrés. Donc s'il y a un mollusque arrive, vous allez le tuer. Et s'il y a beaucoup de ballons, vous allez les tuer aussi. Donc voilà, une vidéo assez courte mais très très efficace qui va vous servir je pense, parce que c'est un village que beaucoup d'abonnés m'ont demandé. Donc je vous dis salut à tous, à la prochaine, c'était BG Warrior, ciao!